Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Ça va ma petite doudouce? En tout cas ça va super bien elle. C'est dur la vie de chien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 14 les amis. Qui veut dire que là on a clairement officiellement passé la moitié du calendrier de l'Avent. Les amis, il nous reste 10 jours avant Noël. Avant les grandes surprises d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Vous avez acheté vos idées de... Enfin vos cadeaux de Noël pour vos proches etc. Moi je suis... Moi j'ai sorti le porte-monnaie hier les amis. J'ai tout acheté. Toi t'as acheté des trucs? Non pas encore. T'as acheté, toi? Bah, il faut acheter, hein. Le temps de livraison et tout, après, t'es mal barré, hein. Tu fais quoi? Là, je vais faire des dos de cabillaud avec des haricots verts. Ah. Il y avait des trucs de prévu, là. En fait, je voulais te faire une surprise. Ah ouais? Ouais. Ok, j'annule tout, alors. On annule tout? Donc, dos de cabillaud, haricots verts, on tire un trait dessus? Bah, ça dépend, tu veux me proposer quoi? Bah, je voulais t'amener à Quick. Ah ouais? Ouais. Allons-y, le Parce que Pidi, Quick, c'est son fast-food préféré. Et faut savoir qu'en vrai, de vrai, j'aime pas trop Quick perso. Je sais pas si vous kiffez Quick, mais à choisir un fast-food, je préfère McDo ou même BK ou KFC, tu vois. Ouais. Mais toi, tu kiffes Quick. Et du coup, on va jamais, jamais, jamais à Quick. Du coup, bah, c'est le moment d'aller à Quick. On va manger un Giants. Pour moi. Bon, quoi qu'il arrive, je préfère Quick qu'un dos de cabillaud. C'est vrai? Bah non, en vrai, un dos de cabillaud avec des haricots verts, c'est très bon. Avec de la sauce au beurre et au Mais j'ai besoin de gras. En fait, besoin ça t'arrange gras. J'ai besoin de gras. Les amis, avant toute chose, bah déjà, on va aller à Quick. Mais avant toute chose, on fait quoi? Bah, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Créateur à loose, les gars. Bon, on revient, les loulous. Et les amis, anecdote. Dès que j'enfile mes chaussures, Mustang, il sait que je pars de la maison. Et du coup, il fait la victime. En mode, non, s'il te plaît, laisse-moi pas tout seul. Bon, Doudou, c'est autre chose. Elle adore. Mais t'inquiète, c'est pour la bonne cause. On va chercher des burgers. Burger, tu connais? Burger. C'est trop la victime, putain. Loustique, c'est vrai que je t'avais pas dit que moi, la dernière fois, j'y suis déjà allé une fois au Quick, c'était avec Apo. Ouais, y a pas de drive en fait, les gars. Y a pas de drive, sauf que Piggy, elle est en chausson. Ah oui, c'est vrai, regardez. Et sauf qu'il y a pas de parking, du coup, on est garé un peu loin. Il pleut. Bah, faut courir. Y a rien qui va. Ouais. Y a rien qui va. Bon, bah, go, hein, les gars. Je prends cette petite caméra. Et puis, on va faire notre commande. Je sais même pas y a quoi en fait à Quick. On est parti. Bon, les gars, on est bien dimanche, hein. Regardez Piggy. Je suis mort. Kiki, wouhou. Les amis, j'ai le seum. Il n'y a qu'une personne qui peut rentrer et du coup, bah, je dois rester dehors. J'ai le seum. Je sais pas du coup ce que Pidi va prendre. Ça sera la surprise. Les gars, tu sais que... T'as pris une grosse commande du coup? Bah, j'ai pris ce que tu m'as dit. Extreme cheese? J'ai pris ton truc au cheese. Je t'ai pris un giant en plus. Je t'ai pris des frites. Et je t'ai pris des petits trucs au fromage par 10. Tu vas te régaler, lui. Miam, miam, miam. Et tu sais que niveau propreté, Quick, ils sont genre au top. Genre déjà, on n'avait pas le droit de rentrer à deux dans le Quick. Ouais. Donc c'était genre que moi, du coup, donc j'ai commandé. Et avant, ils assurent que tu mettes du gel hydroalcoolique. Et ensuite, tu dois mettre des gants pour toucher les bornes. J'avoue. Et après, quand t'attends, tu dois être dans une file. Et genre, En vrai de vrai, c'est trop bien. C'est parce que McDo, BK et tout, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est juste qu'on y va en voiture, drive, nous, drive. C'est ça. Mais c'est vrai que tu dis, le drive, c'est quand même pratique. Hein. Bon, on se retrouve à la maison pour des gommes. Hein. Mais en vrai, quand on s'assoit dans la voiture, j'ai envie de taper un croc là. C'est vrai? Juste un croc, juste un seul. Mais j'ai trop faim, bordel, j'ai trop faim. Alors... On y va. Faut que je croque, faut que je croque. Tu veux croquer quoi? Je sais pas, en vrai, random. Le premier truc qui vient, bah, c'est un giant. C'est vrai que ça c'est marrant là en Quick, il met toujours ça. Faut pas que ton burger il se casse la gueule. Quick ça a quand même son odeur en vrai. Hein. Ouais. Ça sent Quick là. Le pain il est tellement moelleux, t'as vu, t'as fait ta marque, mais oui. C'est vrai que la sauce du Giant elle est bonne en vrai. Ah, on y vient les loulous. Mets les steaks. Bon bah tout à l'heure à la maison hein. Bon bah direction la maison les amis. Allez, qu'il que dit, tu peux rechanter. Les enfants, à table. Mais avant toute chose, on va aller chercher déjà un saucisson au hasard. Je prends celui-là.
Saucisson, attention, il y a écrit quoi ? Saucisson artisanal à la noix. J'adore le saucisson à la noix. Ok. Ensuite, jour numéro 14 sur le calendrier de l'Avent. Bah ouais, Pide, hein, c'est pas une dégustation, c'est calendrier de l'Avent à la base. Jour numéro 14 sur le calendrier de l'Avent, produit du terroir, les amis, nous avons... Je vais chercher le fromage. C'est quoi ? De la crème de salidou. Oh, salidou, on n'a pas eu un truc salidou la dernière fois. Genre c'était caramel beurre salé, non ? C'est pas ça ? Ah, peut-être. Oh, ça a l'air trop bien du coup, c'est de la crème de caramel. Jour numéro 14 sur le fromage, attention ! On n'a jamais été aussi rapide hein, pour tout sortir. On a faim. On a faim. Oh, il est dur ! Ah, là-haut, il est tout dur. Allez, on se dépêche, on a faim, là. Mais eux, ils sont tout excités. Jour numéro 14 sur... Du coup, on était ici. C'est celui-là. C'est celui-là, les gars, c'est celui-là. Jour numéro 14 à consommer avec du fromage affiné. Putain, ça fait deux jours qu'on doit manger du fromage avec. Ok. Nous avons de la Bostale, filles. Avec des petits... c'est du blé, ça, hein. On est d'accord, hein. Allez, exactement, les amis, à... Oh, je suis daltonien, j'arrive pas à lire. Ah, du violet sur du violet, les gars. Ouais, moi, je peux pas lire ça. C'est une spéciale Limited Release 2020 belge. T'arrives pas à lire ? Bah, tu sais, le violet, là, violet sur violet. Water, tu veux lire les Water. Ingrédients ? C'est... Non, je cherche, elle est à combien ? Elle est à 1,9. Hein ? Bah ouais, c'est ça. Comment ça, 1,9 ? Je te jure, loulou, il y a écrit 1,9 d'unité d'alcool. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a écrit ça, loulou. 1,9, c'est un panache ou... Bah, ça tombe, hein. Mais non, mais c'est pas possible, 1,9. Mais il y a écrit 1,9 d'unité d'alcool. Ça veut dire quoi, d'unité d'alcool ? Bah, en fait, c'est une bière belge, donc c'est peut-être un truc par rapport, je sais pas, moi. Ah non, j'ai trouvé. Ah ouais. J'ai trouvé, hein. Bah, combien ? 5,8. Ah bah voilà, là, ça tient plus debout, là. 1,9. Mais attends, mais regarde, comme par hasard, il y a le truc femme enceinte, et juste à côté, il y a 1,9 d'unité d'alcool, c'est peut-être genre en gros en Belgique, même peut-être en France en vrai, hein, c'est peut-être un repère. Par exemple, t'as le droit à 2 unités d'alcool avant de prendre le volant, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Je te dis une connerie, bon, mais c'est peut-être une unité qui dit que... Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Aujourd'hui, tu vas ouvrir avec... Attention, j'ouvre un meuble au hasard. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Bah tiens, ouvre avec ça. Avec ça ? Ouvre avec ça. Ah putain, c'est dur. Ah, je me suis niqué les doigts. Il va falloir que tu te rentraînes. Hein. C'est quoi tes défis de bain, là ? Mais c'est qui t'es lancé au défi ? J'avais oublié, moi. J'arrive bon, pas. Allez, à mon tour. C'est incroyable. À mon tour. Je me suis tué. Toi, tu vas réussir, ça vous... Direct ! On n'a pas fait un one shot, non, nous. J'avais déjà ouvert, non, en fait. Non, non. C'est juste que t'as pas la technique à 100%. Ok. All five sneakers. Pas tout de suite. On mange ici, non ? Non, là-bas. Bon, les Lucie, si vous êtes sages, vous aurez peut-être des morceaux. Oh, moi, j'ai faim, brin. Bon, bah, je vais manger la suite de mon truc que j'avais croqué dedans. Je suis vraiment un bâtard. Hein. Tu l'as fait sentir ? Non. Ça fait quoi ? Tu verras la vidéo. Bon bah santé les loustiques hein. C'est pas grand j'ai longtemps. C'est pas grand hein. Mais y'a plus... Mais y'a plusieurs tailles hein. Ah ouais ? Parce que dans le nom Giant, j'ai l'impression qu'il va être géant quoi le truc. Non mais y'a plusieurs tailles. Là c'est le classique, c'est le standard. Du coup on mange un burger et après on va manger un saucisson. Ouais. Après le mois de décembre les gars on aura pris 10 kilos. Giant terminé. Comment ça s'appelle, extra cheese? Ouais, je crois. Le cheese max. Le cheese max, cheesy. Oh lolo, il est déjà plus gros, lui. T'as vu, c'est trop marrant, il met tout le temps ça. Oh lolo. En vrai, il m'a l'air pas mal. On dirait un burger, un peu Burger King. Hein. T'as raison, c'est vrai. Ah, les frites de quick, c'est pas ouf. Hein. Non, elles sont pas bonnes. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les petits trucs au cheese, là? Ouais. On dirait un peu des nems. Ça a bien goût des mentales pour le coup. C'est bon. Place à ce burger de fou là. Et franchement, j'avoue que pour un burger quick, il donne envie, non ? Il est beau, non ? Oui, il est beau. Il a le goût de fromage, mais un peu genre sauce fromagère. Ouais, regardez. Ça, c'est pas de la sauce à l'intérieur, regardez. Attends. Là, j'appuie. C'est vraiment du vrai fromage qui coule. Mmh. Bah. Mais. Mon Giant. On dirait un peu du fromage vache qui rit. Ouais. Ouais. T'as pas trop du coup. C'est mitigé. Je vais goûter ça.
T'as vu, ça va faire le goût des mentales quand même, hein. Il se dit fruit qu'en fait, quand il est stressé et qu'il veut quelque chose, il respire fort. Regarde, ouais. Elle a sa petite langue qui dépasse. Ah ouais. Oh ma chérie. Mais ouais, anecdote. Parce que j'aime bien donner des anecdotes. Mais par exemple, quand nous on va dormir, les loulous ils restent en bas. Ils ont... loulou. C'est cool. Un fondant, mais. Ouais, bah les. Plutôt un écrasé là. Hein. Mais ouais, quand on dort là-haut, ils ont pas eux, ils restent en bas, ils ont pas le droit de monter. C'est l'heure du dodo, c'est l'heure du dodo. Ils dorment dans leur panier, nous on dort dans notre lit quoi. Et Mustang, de temps en temps, ça arrive maintenant très rarement, mais de temps en temps. Ah ouais, ça dégomme là. De temps en temps, ils montent pour essayer d'avoir une petite chance, genre en mode je peux venir avec vous, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et en fait, nous on est dans le lit et on l'entend monter. Ouais. Pas parce qu'il fait du bruit, mais parce qu'il respire fort. Parce qu'il respire fort. Il respire fort, très ouais. Très fort parce qu'il est stressé. Regarde. T'as fini ? Encore, encore, encore ! T'aimes bien quick, toi ? Mais je rêve, Doudou, ça se rapproche de la table de plus en plus, là. Mais par contre, c'est un truc de dingue comment les animaux, en général, hein, comment ils sont attirés par la bouffe. Ouais. Bon, enfin, après, je dis les animaux. Tu me mets un plateau de bouffe devant moi, je suis comme Mustang. Hein. Ah, t'as acheté des trucs au poulet ? Bah oui. Je savais pas, je vais goûter, moi. C'est des nuggets, du coup ? Ouais. C'est des dips, ça s'appelle. Les dips du quick, du coup. Bof. Non mais en vrai, sur place ils sont meilleurs. Non, en vrai, quick, je suis pas fan. La sauce du Giant c'est bonne. Ça serait mentir de pas le reconnaître. Mais non. En général, je préfère quand même McDo, Burger King et KFC comme je l'ai dit au début. Pide. C'est l'heure de se désaltérer. C'est l'heure de remanger du saucisson. Plus le saucisson il est fat. Hein. On dirait un coq. Si. Je bombe le torse. Heureusement que ça fait ça. Regarde, Tiff. Mais je rêve! Je viens de te voir piquer là! On va te retrouver sur le table sinon. Tu te souviens quand on était tous partis dehors, quand on avait été voir la fée avec Doc là? Ah ouais! Ah bah vas-y, attends. Nouvelle anecdote parce que les gars, hein, vous le savez, hein, les vidéos de Valouz, y'a pas de. C'est freestyle, hein. Y'a pas de filtre. On raconte ce qu'on vit quoi. Une fois, Doc, quand il avait eu la Ferrari, il avait eu à prêter une Ferrari, il avait dit à personne qu'il allait avoir une Ferrari. Il est venu devant chez moi avec sa Ferrari et du coup. Bah, il m'a dit, vas-y, sors. Tu sais, moi j'avais le truc sur les yeux et tout là. On avait fait une story et après on était même parti en Allemagne. Et en fait, en gros, pendant qu'il y avait la Ferrari, tout le monde est sorti dehors pour aller la voir. Et en fait, nous on était en train de taper apéro au moment où il est venu. Ouais. Saucisson, chips sur la table, etc. Des despés, tout ça. On est parti. Bah, moi je suis parti une quinzaine de minutes. Mais nous on est parti vraiment. 5 minutes, même pas. 2 minutes. 2 minutes au chrono. Quand ils sont rentrés. Sur la table, c'était un désastre, pas possible. Tout était mais éparpillé dans tous les sens. Il manquait des saucissons, des biscuits apéro, les despés renversés sur tout. Il y avait même du coup son neveu, son filleul qui était... Il y avait même son filleul qui était là, son filleul qui a 5-6 ans. Ouais. Et du coup, il était en train de dessiner. Il était sorti et quand on est rentré, la despé est tombée sur son dessin. Il a pleuré et tout parce que son dessin, il était tout niqué et tout. Et Val était en mode, mais il est mignon, ça donne du style. Ouais, moi pour rassurer son filleul, j'étais en mode, bah il est beau ton dessin, regarde, les couleurs elles se sont étalées et tout, c'est joli. Et ça, Mustang, il nous en fait voir. Les gars. Et ça, c'est tout ça à cause de ce petit monstre. Mustang, quoi. On en a des anecdotes sur toi, hein. On en a. Hein. Oh. Franchement, Mustang fait beaucoup plus de bêtises que Bug. Oh, mais largement. Largement. Parce que c'est un petit 200 de QI, tu vois. Bon, allez, c'est parti, fromage. C'est marrant. Alors aujourd'hui nous avons du Isérois, étoile du Vercors. Puissance 5 sur 5, fruité 3 sur 5, crémeux 1 sur 5. Bon on l'a vu, hein, c'est costaud. Hein. Elle a des trucs qu'on toquait, c'est pas le facteur. Hein. Ils sont cons. Un fromage de vache sec et puissant en goût qui ressemble à un Saint-Marcellin. Je te jure j'allais dire Saint-Marcellin. Plus affiné et pour cause. Voilà c'est tout. Ok, nous allons goûter immédiatement. Oh, mais attends mais il est extra dur. Oh. Oh non! Mais je rêve! C'est mon autre couteau qui est trop bien! Y'a même mon blaze ici, Valouz! Oh non, je seum. Bon, bah les loustiques. Bon, bah on va devoir acheter des couteaux. Hein. Putain, c'est mes Wuzaki! Bah franchement, ça tient pas du coup. Hein. Si, c'est parce que nous, en fait, on fait une erreur, on les met au lave-vaisselle. Ah ouais? Putain, je suis dégoûté. Bon, les amis, c'est le moment, il m'a l'air. Fort. Il m'a l'air fort. Hein. Ah oui. Il m'a l'air vraiment fort. 1, 2, 3. Elle se mange la croûte. Tu sais, ça goûte quoi? Non. Ça goûte parmesan. J'ai quoi? T'as des boulettes du pull. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça goûte parmesan un peu. Ah oui, mais plus fort encore. Un peu plus fort et. Ah! Ça reste sur le palais là.
raison. T'arrives sur le palais là. C'est collé comme du plâtre. Au niveau du goût, il est pas mauvais, hein. Bah non, mais c'est vrai, t'as ressenti la même chose. Tu l'as encore sur le palais, je suis sûr, là. Montre. Mais putain, mais t'es plié, Ti. Ok, le saucisson. Alors lui, il a l'air, par contre, d'être vachement bon. Alors là, ça m'a l'air d'être un sacré saucif, là. Hein. Santé. Ah, il est bon. Il est fumé aussi, celui-là. Ouais. Ouais, il a un petit goût de fumée comme hier, un peu moins fort. Mais là, avec les petites noix et tout, et... Tiens, tu donnes à Doudou, c'est je donne à Mumu. Vous êtes sages. Et aujourd'hui, c'est régalade pour eux. Bah, c'est leur calendrier de l'avant, eux aussi, ils goûtent. Hein. Tiens, ma chérie. Alors ? C'était bon. En vrai de vrai, les saucissons, ils doivent vraiment kiffer. Ouais, je pense. Encore plus que les burgers. Allez, hop ! On se sert cette petite bière. Elle est goldée. Hein. Regarde, on voit pas à travers. Elle est vraiment genre blonde, mais gold. Très bonne bière. Je sais pas quoi dire de plus. Ah ouais ? Bah c'est dur à décrire. Quand c'est une bière en fait à laquelle t'es habitué. Les amis, j'ai trop le seum ! J'ai trop le seum, les gars ! Je savais même pas, vu que mon appareil ça fait un mois que je l'ai, je savais pas qu'il y avait une batterie sur le micro. Du coup, bah en fait, en gros, j'ai fini le tournage sans la batterie sur le micro. Et du coup, bah ça a pas avec la voix. Donc il y a l'image, mais il y a pas la voix. J'ai trop le seum ! Vous avez tout raté, putain ! Non, en vrai, il y avait 7 minutes. 7 minutes où je goûte la bière, où je goûte du coup après la crème de Salidou. J'ai goûté ensuite le chocolat du jour et j'ai donné mes notes. Donc je vais vous faire un récap rapide puisque regardez, j'étais en train de regarder en fait, j'ai trop le seum, j'étais en train de regarder les gars et d'un coup je vois y a plus de son. Je fais merde, mais c'est quoi ce délire? Et bah c'est ça les gars, j'avais plus de batterie sur le micro, j'ai trop le seum. Donc récapitulatif. Bon, au final ça aurait été une petite dégustation quick. Le fromage, j'ai mis 5, je le trouvais pas dingue. Le choco, on a une grosse carotte. C'était un choco qu'on avait déjà eu, le flocon de neige. J'ai mis 5, on a bien tapé une barre d'ailleurs en voyant ça, bordel de merde, ce calendrier me fait délire. Le produit du terroir, du coup, c'était la crème de Salidou. J'ai kiffé de ouf. J'ai vraiment kiffé de ouf. C'était un bonbon, frère, qui fondait sur le palais, là. Enfin, c'était de la crème, mais au goût de caramel, c'était bon. J'ai mis 9. J'ai mis 9, mon gars. Le saucisson, les amis, le saucisson, j'ai kiffé de fou furieux. Petit saucisson en noix, bien fumé comme il faut. Franchement, il était d'art. Il était clairement d'art. Les saucissons, c'est les MVP de cette année, les gars. C'est un truc de dingue, ils sont trop bons. J'ai mis 9,5. Et la bière, les amis, qui était plutôt, ma foi... Ouais, elle était sympathique, un peu classique, mais elle était bonne. J'ai mis un 7. Je suis un petit peu dégoûté, mais voilà, fallait que ça m'arrive en vrai. Et heureusement que ça arrivait en fin de vidéo, parce que frère, j'aurais eu le seum si c'était arrivé au début. Parce que forcément, tu t'en rends pas compte. T'es là, tu filmes, moi je regarde juste s'il écrit rec. J'ai pas regardé s'il y a de la batterie. Donc, du coup, j'ai un peu le seum, les gars, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé, dans tous les cas, cette petite dégustation quick. On se retrouve demain, 17h, les amis. Les pouces, les abonnements, les commentaires. Brrr, vous êtes les boss, en fait.